Salut à tous et à toutes, c'est Nargle, on se retrouve pour un nouvel épisode de DayZ Pripyat. On continue notre aventure, donc on est toujours sur notre petit objectif. On est au bar... c'est un bar, c'est ça? C'est le bar 100. Donc ce que l'on va faire, c'est qu'on va essayer de vendre déjà tout notre matos qu'on avait en stock. Donc on va voir ce que l'on peut vendre. C'est quoi ça? Hop, kit. Mais ça je vais le garder, je pense, pour réparer les armes. Ok, ok, ok. Y a rien. Ok. Alors c'est quoi ça? Alors ça, on va le vendre. Ça, les allumettes, je pense pas qu'on va les vendre. Du coup, c'est quoi ça? Du scotch, on va pas le vendre. C'est quoi ça? Ok. Bon, là, sur ce truc là, on n'a pas grand chose. Ici, sur les combinaisons et tout, est-ce qu'on a du vert? Oui, on a. Celui-là, je vais le garder. Celui-là, je vais le. Waouh! Waouh, 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 il coûte hyper cher. On va vendre celui-là. Celui-là, on va le vendre aussi. On va tout vendre. Waouh. Bon, en fait, on peut acheter plein de trucs, quoi. Ensuite, par ici, je crois qu'il y avait un truc pour les armes, non? Un machin comme ça, non? Ici, là. Ouais, c'est quoi, ça? Alors, ça, c'est des cartouches. Ça, c'est des balles. Ok. Ok. C'est quoi ça? Ouais, c'est du Stanag, ok. Ça, c'est l'ATM. Ici, qu'est-ce qu'on peut vendre? Ah ouais, ça. C'est quoi ça? Non, ça, je le garde. Donc, ah ouais, j'ai 400 et quelques mille de roubles. Ouais, je vais prendre ça. Acheter. Ensuite. Ok. 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 J'ai pris un Toundra là. Voir si je peux choper des lunettes en fait. Ils vendent pas des lunettes. Ah, balle de 308. Acheter, 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 acheter. Ok. C'est quoi ça? Des chargeurs. Ok. Ok. Optique. Après, c'est OG. Wow, toutes les lunettes qu'il y a là.
Je vais acheter ça parce que je sais que ça ira dessus. Ok. Ok. Donc déjà, où c'est que j'ai tout ça, moi, là? Je les ai pas sur moi, le matos. Ah, 35 000, je l'ai là. Hop, et j'ai pas le. Elle est où la lunette? La lunette, ça là, acheter. Ah, j'ai peut-être mis vendre après. Ah ouais, voilà, ok. Donc elle, on va la foutre là, boum, comme ça j'ai ça aussi. Et après je sais pas où c'est qu'on peut vendre le reste du matos. Après, c'est des trucs. Des boîtes d'allumettes. Ok. Mêlée. Des piscines. Ouais, ça, c'est pour décorer une base, par exemple. Ça, c'est des bidons. Ok. JVN. Ça c'est pour les armes. Attends, j'ai des trucs là. Ça je peux vendre. Ça je vends pas par contre. Au pire j'achète. Non, voilà, ok. Ensuite là-bas c'est des combinaisons je crois. Il y a des espèces pour les combinaisons, un truc du genre je pense, non? Ok. Il n'y a rien qui est en vert en fait. Ok. Ouais, ça c'est des balles. Ok. Bon, à mon avis. Ouais, ok. Donc du coup, à mon avis, ça récupère pas tout. Est-ce que lui, il prend des trucs, lui, là? Non, lui, il parle pas. J'ai pas oublié une pièce. Après, sur l'ATM, on peut déposer. Déposer. Zut. 30. On peut pas déposer ça? Ah, ça y est, je les ai déposés. Nickel. Donc du coup normalement j'ai plus de roubles là. Ok. Toutes les affaires médicales et tout là, c'est. J'ai récupéré plein de trucs pour rien, je pense. Ah, c'est quoi ça? Non, c'est pas possible. Tu rigoles. C'est quoi ce truc? T'as des cannes à pêche. De la bouffe. Mythe.
Ok, des portions d'animal, des mutants, des livres à boire, des œufs. Ah, c'est quoi ça? Ok, c'est quoi ça? Ah, en vendre. C'est quoi ça? Vendre. Ça, c'est des tests sanguins. Ok. Ensuite, c'est quoi ça? Waouh, c'est hyper cher ça. Désolé, vous n'avez pas assez. Je peux pas porter ça. Ah bon? Ok. Bon, du coup, il y a des trucs qu'on ne sait pas trop à quoi ça sert, hein. Donc du coup, bah, écoutez, ce qu'on va faire, on va les laisser dehors. On va se mettre ici, on va tout jeter. Ça, je le garde parce qu'on sait jamais. Ça, je sais pas ce que c'est. Vous allez peut-être crier, dire non, il fallait pas faire ça. du coup, voilà. Ok, bon, ben on va bouger. Je vais réorganiser mon petit inventaire. On va foutre la bouffe là-haut. Tac. Où c'est qu'il y a de la bouffe? Ah, mais j'ai quasiment pas de bouffe. Ok. Je pense qu'on va aller acheter. On va aller acheter à bouffer. Ça, j'en ai pas besoin de 50 000. Je sais que ça se revend, mais bon, voilà quoi. On va foutre ça là. Ça là. Ça là. Tac. 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 Attendez, on va revendre quelques trucs quand même. C'était où le bordel? C'était là? Il est où le bordel? Ah, il est là. Tac. C'était quoi ça? Ça, vendre, vendre, vendre. Vendre. Ok. C'est quoi ça? Bouteille d'eau. Ah, c'est des boissons. Des livres. Mutant. Animal parti. Mythe. Ah, c'est de la viande. Ok. Il n'y a pas de la pêche? Ah si. On va en acheter. Hop. Voilà. Comme ça, on a un peu de bouffe. Et voilà. Ok. Donc déjà, on est pas mal. Donc du coup, maintenant, on est ici. Il faudrait qu'on se dirige. Ouais, là, il y a le super camp militaire de la mort qui fait peur, là. Il faudrait qu'on aille ben ici, à Pripyat. Mais c'est hyper loin.
C'est hyper loin. Là, il y a un trader, je sais pas ce que c'est. Là, il y a un trader aussi. Et là, il y a un black trader. Et là, il y en a un autre aussi. Waouh, ça va être. Il faudrait qu'on arrive ici. Faudrait qu'on arrive ici. On est où là? Là. Ouais. Ah oui, c'est ouais, c'est une petite. Ouais, c'est un petit patelin ici, ouais. Faudrait qu'on arrive là, ouais. Mais ça va être compliqué, je pense, hein. Mince. Pardon. On va couper tout ça et on va se donner l'objectif ici. Boum. Marqueur. Il est où mon marqueur? Ah, il est là-bas. C'est à 4 km. Oh! Il y a un animal là. Donc du coup, on va aller se diriger vers là-bas. En pleine nuit. On va mettre les JVN. Et on va se déplacer là-bas. Hein. Il aurait fallu qu'on trouve... qu'on trouve une bagnole ou un truc comme ça, quoi. Mais c'est de la flotte. Ouais. Faut qu'on arrive là-bas, hein. Après, je sais pas si le 308... il fera ou fait effet ou quoi sur les gros monstres. Mais ça nous permettra un peu de tirer de loin aussi. On va traverser là. C'est la désolation ici, hein. On va continuer tout droit. Ah, il y a un truc de pêche ici là. On est du quel côté là? Pour voir un peu. Ah ouais, d'accord. Ah merde. Oh, c'est pas grave, on va continuer le camp on va contourner le camp militaire qui est de l'autre côté là-bas. C'est pas plus mal aussi. Ok, on arrive. Donc j'ai traversé toute la forêt. Ça a été relativement tranquille. J'ai vu un groupe de zombies par là passer par quand je suis passé par une clairière là, ils étaient au milieu d'un champ. Donc voilà, je les ai évités, mais c'était plutôt calme. On va dire. Après, j'ai fait des zones industrielles et tout ça. Il y avait pas âme qui vive. Donc, du coup, on va se refaire un peu la santé là. Peut-être on va looter un peu le quartier là. On est à Liliv.
Donc on est là. Donc du coup, hein, vous avez vu, il y a encore un sacré périple, la Red Forêt, pour arriver encore à... Et pourtant, de faire du bar ici à ici, j'ai dû contourner le lac et tout ça là. Ça m'a pris un temps assez conséquent. Donc, autant vous dire que la map, elle est immensissime. Elle est vraiment immensissime. Oh, c'est quoi ça? C'est quoi? Ok. Je sais même pas ce que c'est. Ça doit se revendre ou ça doit... On doit peut-être pouvoir le combiner sur un truc ou... Je sais trop rien. C'est un peu compliqué. Comme ça, là, ça, je sais même pas ce que c'est. Ça, c'est à manger. Ça, je sais ce que c'est. Il y a plein de petits trucs que je sais pas ce que c'est. Donc, je le balarde. Je sais même pas où c'est qu'on le revend ni rien. Donc, du coup, je vais pas m'encombrer avec ça. Je vais faire les maisons. Tranquillement. En plus, on trouve un peu de bouffe. C'est toujours pas mal. Là-dedans, qu'est-ce qu'on pourrait trouver là-dedans? Race, rien du tout. Ah, là, il y a un zombie là. Ça m'intéresse. Ah, ça c'est comme un... Ah, c'est une bouteille de... Une bouteille d'oxygène. C'est quoi ça? Un détecteur de métaux, je pense. Il y a vraiment de tout. Waouh, c'est quoi ça? Je sais pas ce que c'est des jambières, ça, non? J'ai récupéré ça aussi, je sais pas trop ce que c'est. Je vais lui mettre là. On va continuer, on est à 300 mètres. Du village. Or c'est un village dans les bois, hein. Il est un peu glauque, mais ça c'est des allumettes. Ça, je sais même pas ce que c'est. C'est doit être un plan. Faudrait que je. Ah ouais, j'aurais dû. Ah, je sais ce que j'aurais dû acheter pour la M4 ou pour la M16. J'aurais dû acheter un silencieux en fait. J'ai été trop con. Il y a plein de petites baraques là. C'est un peu éparpillé. Il y a un zombie là-bas. Qui m'inspire pas confiance.
Ça, je sais même pas ce que c'est. Est-ce que je peux pas le dégommer de là? On va essayer avec le toundra, voir. Ah, mais je le vois pas. Il est juste là. Ah, je le vois pas. Merde. Ah, mais c'est un zombie normal. Je pense que je l'aurai au couteau, lui. Pile. Ah, il est dans la maison. Il y a quelqu'un qui l'a foutu dans la maison. Donc peut-être on suit des bonhommes. Ouais, ça je sais même pas ce que c'est ça. Hein. C'est pas une ceinture ou un truc comme ça. Ok. J'entends des bruits bizarres. Ouais, ça fait flipper hein, ici. Hein. Il fait flipper le quartier. Hein. Donc pour cet épisode, on va s'arrêter là parce que c'est la fin du village. Donc ça a été un peu d'exploration, on a regardé un peu comment on pouvait vendre tout ça. Donc je pense qu'il va falloir faire d'autres traders et compagnie, je pense. Pour voir un peu ce qu'il y a en vente. On voit qu'on peut se faire pas mal de blé quand même en revendant des trucs. Donc si après par la suite on peut acheter des gros trucs hyper intéressants, ça peut être sympa. Oh, c'est quoi ça? Vodka. Ouais, dans une fiole. Oh bah dis donc. C'est pas très... Je sais pas si ça doit être bon à boire. Ok. Mais là, c'est la dernière maison. Donc on va se laisser ici, je vais me mettre là-haut. Tranquille, comme ça, je serai pas embêté. Je vais passer la nuit là. Enfin, la fin de nuit plutôt. Là, il y a un ordinateur aussi. L'ordinateur, je sais pas où c'est qu'on peut le revendre. Donc voilà. En tout cas, merci d'avoir suivi cet épisode sur Pripyat. Donc, nous sommes ici. Hein. On a avancé quand même. On était ici. On a fait ça. J'ai fait beaucoup du hors enregistrement parce que là, c'est que de la forêt. Il n'y a rien d'intéressant. Il faudrait que on aille on aille ici à la centrale et après ensuite on aille par là. Je crois qu'il y a un trader par là. Ouais, c'est ça, il est ici. Et après il y a le Black Trader qui est à Pripyat. La centrale, mais la centrale, je pense que ça, c'est des zones radioactives. Je pense qu'il faut avoir des combinaisons pour y aller. Nous, la dernière fois, avec Barjo, on s'est fait tuer ici. Ici, on s'est fait tuer par ces gros monstres-là. Donc, peut-être où on ira directement sur Pripyat. On prendra la route, là, tac, tac, tac. On viendra sur Pripyat.
Et puis après, on ira explorer la centrale. Je sais pas trop comment je vais me démerder pour faire ça. Mais voilà. Donc en tout cas, merci à tous. Je vous dis, prenez soin de vous. Et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures sur DayZ. Ciao, ciao à tous.